Comment? C'est comment, c'est le thé? Voilà, c'est le workman du thé à thé. Enfin, du marqué de sous. Comment est-ce qu'on va? Bon, faites ces petites vidéos pour clarifier certaines choses. Parce que, vous savez, il y a un sujet qui chauffe aussi souvent, c'est sur le sans frontières. Quand je donne mon avis sur ça, n'est-ce pas, pour protéger ma communauté camerounaise dans la diaspora, il y a certains qui se fâchent. Je rencontre même certains restés dans la rue qui me disent « Ouais, mais on t'aime bien, mais tu exagères chez les étrangers. Si on ne trouve pas les Camerounais, on va aller chez les étrangers. » Et certains étrangers qui se fâchent. Écoutez-moi bien, Camerounais et étrangers. Le but du Wama, c'est de rassembler le peuple camerounais dans la diaspora pour une pensée commune. Parce que les étrangers, les Africains ici, sont communautaires. Seul le Camerounais est le seul. Quand il parle de communauté, les Africains viennent avec leur hypocrisie malhonnête en parlant de panafricanisme, en parlant de communauté africaine. Pourtant, vous venez simplement avec vos longs mangalas noirs comme des chasseurs de rats pour venir charger mes sœurs. Et ça, ça ne me plaît pas du tout parce que les étrangers africains, vous n'aimez pas qu'on touche vos sœurs. Vous n'adorez pas. D'abord, vous êtes même violents. On a des pays africains, c'est quand tu touches les sœurs, c'est la violence. Et j'ai aussi dit aux femmes qui se fâchent chaque fois, écoutez-moi bien, parce que je ne sais pas si votre valeur dépend de la longue bouche, si votre valeur, c'est face aux Camerounais. Face aux Camerounais, on voit vous devenir des grands boss ladies, vous devenez des filles intellectuelles. Face aux étrangers, vous êtes douces, vous êtes calmes. Beaucoup d'entre vous écartent les jambes et ces gars mettent le lait dedans. C'est un sacrilège, Camerounais. Moi, j'aime pas ça. Je vais vous dire encore. Moi, mon but, c'est de fédérer les Camerounais. Mon but, c'est de conseiller les Camerounais. Et les gens qui viennent chaque fois me disent, oui, mais les étrangers sont pas tous comme ça. Si les étrangers sont avec les Camerounaises, qui les épouse? Que les étrangers épousent mes soeurs, je n'ai pas de problème. Il y a des étrangers, quelques étrangers sont mariés aux Camerounais. Il y a des mecs mariés aux Camerounais sur ma page. Il y a des Africains, quelques Africains. Mais la majorité sont en train d'exploiter mes soeurs. On voit dans tous les pays. Et quand je donne le conseil, vous venez m'attaquer. Alors que les étrangers ne tolèrent pas les soeurs. Vous connaissez les pays africains, même chez les Kassa. Vous touchez une fille, vous vous agressez. Même chez certains pays africains, ils sont sauvages entre eux. Mais quand c'est nous, parce que le Camerounais est divisé. Parce que dans la tête de certains Africains, le Camerounais est trop... Enfin, il est dans l'intellectualisme, il est dans l'ouverture, il est dans le monde entier, il est dans le flavour. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Et je vais aussi préciser au Camerounais qui vient chaque fois quand je parle, qui vient, j'ai bloqué mon verset dans le groupe là. Chaque fois que je parle de sans frontières, ils viennent avec... Oui, Waman, hein, tu parlais de sans frontières, pourquoi? C'est l'amour. Entre les Camerounais, il y a des tribus qui ne se marient pas entre eux. Écoutez-moi bien, s'il y a des tribus entre nous qui ne se marient pas entre eux, c'est entre Camerounais. On va se gérer. S'il y a des peuples entre nous qui ont des problèmes, c'est entre nous. Nos problèmes camerounais concernent les Camerounais. Et quand on sort du Cameroun, c'est la fédération entre Camerounais. C'est les enfants camerounais. Qui va accoucher les enfants camerounais demain si les Camerounais commencent à faire partout? Et n'oubliez jamais, quand les femmes vont avec les étrangers, c'est la fin d'une communauté. Les hommes peuvent papillonner, ça n'a pas d'impact. Mais la femme est la mère d'un peuple, est le ventre d'un peuple. Quand les filles sont ridiculisées par les étrangers, quand les étrangers disent que les filles camerounaises sont faciles, les filles camerounaises aiment l'argent, on les met facilement. Dans les églises, les étrangers profitent pour coucher avec les filles camerounaises parce que les filles camerounaises sont obsédées par les églises. C'est pas là qu'ils couchent avec les filles camerounaises. Et ils ne nous respectent plus. Ils ne respectent plus les Camerounais. Ça me dérange personnellement. Hein? Comment peut-on parler de sans frontières? Vous venez comparer avec les tribus entre Camerounais. Les tribus camerounais, ça nous concerne. Hein? Malgré tout cela, quand les tribus se mettent ensemble, ils font des enfants camerounais pour demain. Qui va faire les enfants camerounais pour la diaspora demain? On est des millions de camerounais à travers le monde. Les enfants camerounais, le talent camerounais ira où? L'intelligence camerounais, la fierté camerounais ira où? Et je préviens d'abord aux filles camerounais qui sont en train de parler sans frontières. Écoutez-moi bien. Avec vos cerveaux de chèvre, écoutez-moi bien. Ces étrangers africains, laissons les Européens. Quand je suis arrivé ici, ils nous respectaient. L'homme camerounais est respecté ici. L'homme camerounais est parmi, même les filles camerounaises, nous tous, nous sommes une communauté où on va plus à l'école. Ici, dans les universités, les Camerounais sont toujours parmi les premiers. Allez en Allemagne, s'il y a 10 ingénieurs, 9 sont Camerounais, africains. Ici, en Belgique, partout, même pour le boulot, nous sommes des battants. Les Camerounais sont reconnus comme un peuple de battants, un peuple de gagnants. Regardez même sur YouTube, regardez même les médias français. La plupart des stars africains sont des Camerounais, journalistes, rappeurs, intelligents, tout ça. Nous sommes une communauté de gens battants. On est parmi les top 5. On ne pourrait pas dire premier, deuxième, pays francophone, on est parmi les meilleurs. On est parmi les pays où on va plus à l'école. Donc nous sommes respectés. Et ces étrangers ne nous respectent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par les femmes. Facile, par toutes les filles. Parce que toutes les filles ne vont pas avec eux. Quelques filles là, qui sont ici, il y a les scandales partout. Les filles camerounaises couchent avec les biafrais. Elles couchent avec les Congolais. Elles couchent avec les Ivoiriens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces coquilles où tout le monde vient manger pour lui sur ça? Ça ne me plaît pas du tout. Car la femme doit être, doit avoir de la pudeur, de la retenue. Elle ne doit pas parler avec les étrangers. Et quand vous êtes étranger, taisez-vous. Ne venez pas nous dire que j'ai trouvé mon étranger, il est mieux qu'un Camerounais. Le Camerounais est sauvage. Le Camerounais n'est pas romantique. Les Camerounais, ils font ça. Ils font ça, mais ça entre nous.
Nous ne sommes pas les derniers en matière de bataille. On n'est pas mis les meilleurs. Ici, en Belgique, nous sommes parmi les meilleurs. Ceux qui ont le boulot, ceux qui travaillent. En venant allemand, en France, partout, au Canada. Parlons du Canada. Les Camerounais du Canada. Moi, je m'adresse aux parents du Canada. Enlevez vos filles dans les affaires de Montréal avec les étrangers, là. La communauté camerounaise, enlevez vos filles dans les affaires des Africains, là, qui sont dans les églises là-bas, et gardent les filles camerounaises là-bas. Les filles camerounaises ont une mauvaise réputation parce qu'on couche avec, on filme, on se partage entre vous. C'est la vérité. Que les Camerounais du Canada enlèvent les enfants dans la communauté africaine. Le panafricanisme du combat des Noirs, c'est bien, mais le panafricanisme du Mangala, je suis totalement contre. Allez faire ça avec vos sœurs. Laissez-nous sœurs tranquilles. Donc le Canada se réveille, parce qu'arrêtez de m'insulter à Montréal, là, oh, un chien, machin. Ça ne sert à rien. J'ai dit des vérités. Les femmes ont perdu les valeurs à cause de certaines femmes. Ce n'est pas nous, au contraire, moi je valorise les femmes. Je fais des concours, je fais des marées. Regardez la chaîne Ndolo que j'ai créée. On a créé la chaîne Ndolo 100% Camerounais pour que les Camerounais se mettent ensemble. Et il y a de plus en plus de mariages. C'est ça, critiquer et faire du bon travail. Donc le Canada, réveillez-vous. L'Allemagne, réveillez-vous. La Belgique, la France, les États-Unis, toute la diaspora camerounaise, réveillez-vous. On a vu les dégâts des étrangers au Cameroun. Allez voir au Cameroun, quand il y a pas si comment certains étrangers fournisseurs, ils peuvent les mounegou avec. C'est le désordre. Le Camerounais, c'est le peuple où on vient binder les femmes et les femmes crient on est valeur, hein, c'est quoi, c'est l'amour. Qui vous aime? Demandez aux étrangers qui parlent des filles camerounaises. C'est moi. Et si c'est moi qui parle de ça? Ils ne vous respectent pas. Regardez même ces étrangers qu'on parle là. Regardez même les gens qui, il y a 15, 20 ans, ils ne nous parlent pas. Et ils osent venir aujourd'hui dire, vous les Camerounais, vous êtes qui? On couche avec vos sœurs, elles sont faciles. On est dans les églises, on est dans les marchés de la paroisse, on est dans les marchés de panafricanisme. Et les femmes sont là. C'est le panafricanisme. L'exhibitionnisme de cette folle-là nous détruit. Moi, je n'accepte pas cela. Et je dois vous dire encore, je suis pour les étrangers qui respectent mes sœurs, qui les épousent. Ne venez pas, vous, les étrangers, avec des mbangalas noirs, longs comme le cheval, venir creuser des forages, détruire la faune, les lèvres, et partir, et laisser. Et ces filles reviennent vers les Camerounais, battant, pour exiger les dos de 6 millions, alors que le gars a pris ça avec le pain beurre. Quelle catastrophe! Que ces filles que vous avez creusées, épousez-les, ne venez pas nous amener avec ça. Moi, je ne suis pas pour le sans-frontières. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement, je vous respecte, mais je ne suis pas pour, je suis pour le Cameroun. Je préfère qu'un Camerounais d'une tribu, avec une tribu, se mette malgré nos problèmes. C'est entre nous. C'est comme ça qu'on fait une fédération, une communauté d'avenir dans la diaspora. Parce que demain, on va faire commencer, il n'y a plus les Camerounais. Si on n'a que les Camerounais, moitié machin, moitié malade, le topo Camerounais a disparu, le dynamisme Camerounais a disparu, l'intelligence Camerounais a disparu, c'est tombé avec des gens un peu, un genre, on ne comprend pas où ça sort, viens nous emmerder. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit ça. Donc, arrêtez de m'emmerder. Sinon, je vous bloque. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon discours, soyons clairs, quittez ma page. Si les étrangers ne sont pas d'accord, d'abord je m'en fous de vous, je ne suis pas là pour chercher, je ne suis pas là pour devenir international. Je suis Camerounais, ça me suffit. Je ne rêve pas d'être star international. Je n'ai rien à cirer. Donc si vous n'êtes pas d'accord, quittez ma page. Les Camerounais ne sont pas d'accord là. Évitez de parler. Dans ce sujet, j'ai les nerfs à un point. Je n'aime pas les gens bêtes et cons. J'aime les gens qui réfléchissent pour le long terme. J'aime pas les gens qui pensent que les fesses et les zizi. J'aime les gens qui réfléchissent sur le long terme. La communauté camerounaise va faire comment, hein? Les enfants camerounais vont sortir où? Comment on va faire demain? Ces étrangers humilient les sœurs tous les jours. Elles sont toujours bêtes pour gueuler. J'en ai marre. Ça suffit. Voilà, moi j'ai dit ça. Merde, ça c'est quoi là? À quelle communauté camerounaise ça? Bon, tu maintiens les femmes, mais que 100% homme, bon, ah, après on dollar sans frontières, bah créer quoi? Tu vas créer à Cameroun? Puis dans quelle base? Ni beaucoup de ma même doit bon créer une ton bungola. Zé, ne va pas beaucoup respecter la fille camerounaise. N'est qu'un arabe qui veut respecter, n'est qu'un étranger qui veut respecter. Quand tu as papa on doit tu veux comme il t'a bon encore une zimbabwe tout le temps. Bon, tu vas bouser tu vas bouger sans frontières, bah on donne un fond mais. Match au Cameroun, 100%. La seule solution, c'est de sauver la communauté camerounaise, ton diaspora. Là. Parce que vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un bon Cameroun, vous avez un bon Cameroun. Vous avez un Cameroun, que les femmes restent la communauté camerounaise. Arrêtez. Et si vous êtes, si vous épousez, tant mieux, fermez vos gueules. Laissez-moi dans ce combat. Et j'ai les hommes. S'il y a des hommes camerounais qui ne sont pas d'accord avec moi, fermez vos petits gueules là. S'il y a un homme qui n'est pas d'accord, fiche-moi le camp. Hein. Même dans la rue, il ne me parlait pas, ne m'énervait même pas avec ça. Hein. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas de faire semblant. Hein. C'est un truc que j'ai les nègres qui voient les étrangers, mais manque de respect. Hein. S'il y a un Camerounais homme qui n'est pas d'accord avec moi, qui ferme sa gueule devant moi, qui me fiche à peine, ne me salue plus. Connard!